في ملفها الشراكة دائما، حيث أعلن سفير الصين بالجزائر يانغ غوانغيو عن اختيار الجزائر كشريك إقليمي لبكين ضمن مبادرة طريق الحرير بالاستثمارات الأولية تعادل 500 مليار دولار. سفير الصين بالجزائر وخلال محاضرة حول 60 سنة من العلاقات الجزائرية الصينية ألقاها بكلية العلوم السياسية بالعاصمة اليوم، أكد عدم نضوج تفاصيل مشروع ميناء الوسط بالحمدانية. التغطية لزميلة كريم عباس. بعد شهور من المحادثات ومعركة دبلوماسية مع المغرب ومصر، الصين تختار الجزائر كأول شريك لها في شمال إفريقيا ضمن مبادرة طريق الحرير، أكثر سياسات الصين الخارجية طموحا باستثمارات أولية تعادل 500 مليار دولار. Cette initiative des nouvelles routes de la soie et on va entamer une coopération dans le cadre de cette initiative. En fait, l'Algérie, c'est une bonne chose, bien sûr, que l'Algérie adhère à ce projet, à cette initiative. Mais à vrai dire, on a déjà un partenariat, une coopération très très forte. 8 milliards de dollars entre la Chine et l'Algérie. Depuis 5 ans d'ailleurs. Hein. Oui, depuis pratiquement 5 ans. Et en 1999, notre commerce extérieur était bilatéral était de 200 millions de dollars. 200 millions, vous vous rendez compte? Et en 15 ans, ce chiffre a atteint 80 milliards en 2014. En 15 ans. Et puis ce chiffre reste toujours à ce niveau. Donc c'est extraordinaire. المبادرة التي ينتظر أن تنفق عبرها الصين 150 مليار دولار سنويا يرتقب أن تستفيد الجزائر منها عبر إطلاق أولى المشاريع المدرجة ضمن هذه المبادرة غير المسبوقة. D'une part, le pays se trouve dans une situation plus délicate, plus difficile. Mais d'autre part, je préfère regarder, voir le côté positif, parce que n'oubliez jamais que c'est un pays qui a un très très fort potentiel de développement. Il y a des ressources naturelles abondantes, même si elles coûtent moins cher aujourd'hui, mais elles sont toujours là, ces ressources naturelles, pétrolières, gazières. Il y a encore d'autres ressources naturelles en Algérie. Côté chinois, nous sommes vraiment confiants en l'avenir économique de ce pays. C'est pour ça que je dis, nous continuons de miser, de parier sur l'Algérie. ميناء الوسط بالحمدانية أضخم مشاريع الشراكة المرتقبة في تاريخ العلاقات على محور الجزائر بكين عبر 6 عقود من التعاون الاستثنائي في انتظار تحديد التفاصيل النهائية كمرحلة تمهيدية قبل الشروع في التجسيد. On est obligé de trouver un autre site pour construire un port moderne. Et aujourd'hui, je crois qu'on a déjà choisi ce site à Cherchel. Et la capacité de ce futur port sera de, je crois, entre 3 à 6 millions de conteneurs par an. Hein? On n'a pas encore tout à fait arrêté la décision. C'est ce que j'ai compris. Hein? Et la capacité actuelle de ce port, c'est 700, 800 000 conteneurs. Et l'Algérie veut aussi jouer un rôle d'entraînement pour toute la région. Ce port pourra aussi jouer un rôle extrêmement important pour le long terme de l'Algérie. Parce qu'à ma connaissance, côté algérien, le gouvernement algérien a l'intention de créer, de développer aussi des zones économiques tout au long. Autour de ce port. انتصار اقتصادي ودبلوماسي للجزائر في الستينية العلاقات مع بكين، خطوة قد تفتح الباب واسعا لمشاريع استثمارية ضخمة بين البلدين قيمتها تعادل ضعفي الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني.